Alors, c'est comment? Aujourd'hui, encore une fois, on parle d'un sujet très intéressant. Nous sommes au Niger, encore une fois. Le Niger a commencé à chasser les militaires français. Oui. Deuxième chose, le Nigeria apprête ses militaires pour aller attaquer le Niger. Le Niger commence à chasser les militaires français. Le Nigeria commence à apprêter ses militaires pour aller attaquer le Niger. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment aller là-bas pour sauver les Nigériens ou on veut aller là-bas pour son ego personnel? Bon, nous, on a donné notre ultimatum. On a dit dans 7 jours, si vous ne réinstituez pas, vous ne replacez pas dans le pouvoir Monsieur Mohamed Bazoum, on viendra dans votre pays pour bombarder. Si on ne le fait pas, on deviendra la risée, c'est-à-dire l'objet de moquerie de toutes les nations démocratiques. Donc, nous sommes obligés de le faire par ego. C'est-à-dire, tous les chefs d'état-major, tous les chefs des armées de chaque pays, les 15 pays de la CEDEAO, se sont mis ensemble pour discuter. Okay? Ils ont dit qu'ils devraient avoir une réaction unie pour se faire respecter. Donc c'est à eux de venir imposer la démocratie dans la République du Niger. Moi ça me dépasse. Il n'y a pas la démocratie dans leur pays, mais ils veulent venir imposer la démocratie chez les gens.